Et pas de pitié pour les croissants. On ne s'ennuie jamais au Club Dorothée. Et aujourd'hui, Gaulois, Gaulois, je vous promets solennellement que grâce à moi, Jacky Gétorix, nous chasserons les Romains hors de Gaule. Je vous ai déjà dit 100 fois de ne pas lever les mains quand vous m'acclamez. Ça fait perdre l'équilibre sur mon bouclier. Je suis vraiment désolé, grand chef, j'ai qui j'ai tenu. Mais quel est ce vacarme? Oh, père, vous êtes encore tombé, hein. Je vous ai déjà dit de ne pas vous mettre sur votre bouclier. Vous n'avez pas le sens de l'équilibre. C'est pas le sens de l'équilibre, Dorothix. C'est ces crétins qui lèvent les mains pour m'acclamer. Allez, je vous aide à vous relever. Allez. Ça va? Ça va, ça va, ça va. Bonjour, Jacky Gétorix. Bonjour, Jacky Gétorix. Je vais vous chanter une chanson pour vous aider à vous remettre. Non, non, ça va, c'est pas la peine. Tout va bien. Ça y est, je suis en forme. Ça y est, oh, voilà. Oh, père, soyez gentil. Vous savez bien que le seul plaisir de la chemise, c'est de chanter. Merci, madame Dorothix. Alors, j'y vais? Ouais. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Si vous croyez que c'est facile d'être chef Gaulois, vous n'avez qu'à venir voir. Pas de pitié pour les croissants. C'est toujours l'été au Club Dorothée. Bah, qu'est-ce que tu as, mon Juju? Tu m'as l'air soucieux. Oh, puis écoute, arrête de m'appeler Juju. Je te rappelle que je ne suis pas Juju, je suis Jules César, le grand Jules César. Oui, eh bien, bien sûr. Je sais bien que tu es le grand Jules César, mon Juju. Mais tu comprends, Juju, ça te va tellement mieux. Oui, non, bah, ça, d'accord, c'est vrai que... Bon, enfin, ça fait pas sérieux. Non, tu vois, devant mes généraux, non, ça fait pas sérieux. Non. Tes généraux, depuis que nous sommes arrivés ici, il n'y en a que pour tes généraux. Tu sais, il y a des moments, vraiment, je me demande pourquoi tu m'as fait venir d'Égypte avec toi. Enfin, ma Cléopâtre, chérie, nous sommes en guerre. Bon, bah très bien. Puisqu'il n'y a que la guerre qui t'intéresse, eh bien moi, je retourne en Égypte. Ça y est, là, voilà, là. La voilà fâchée. Allons, allons. Tu sais qu'on n'a pas le droit de se fâcher quand on a un aussi joli nez que le tien. Hein? C'est vrai que tu l'aimes bien, mon nez, mon Juju. Mais bien sûr, ma Cléopâtre chérie. Tu veux même que je te dise quelque chose? Si tu n'avais pas un nez aussi joli, la face du monde en serait bouleversée. C'est vrai tout ce que tu me dis là, mon vilain Juju? Mais oui, c'est vrai. Allez, viens. Viens, faisons la paix et faisons un pacte. Tu peux m'appeler Juju? Et tant pis pour les généraux. Mon Juju chéri. Alors tu me dis pourquoi tu as l'air soucieux? Oh là là, c'est à cause de Jacky Gétorix. Jacky Gétorix. Quel nom ridicule. Mais qui c'est? Oh, un petit chef gaulois qui entretient la révolte dans tout le pays. Tu veux dire que c'est à cause d'un petit chef gaulois que le grand Jules César, mon Juju à moi, il se fait du souci? Oui. Bah pourquoi? Pourquoi tu ne le pulvérises pas? Plus facile à dire qu'à faire. À chaque fois que j'envoie une armée contre lui, celui-ci gagne, alors. C'est incroyable. Ouais. Tu veux dire que ce maudit petit chef gaulois résiste aux grandes armées invincibles de Jules César? Mais c'est pire que ça. Toutes les armées que j'envoie contre lui se volatilisent. C'est incroyable. Comment fait-il? C'est tout de même incroyable. Que deviennent tes soldats? Je ne sais pas, Mystère et Boule de Gomme, ils disparaissent. On en a retrouvé quelques-uns errant dans la campagne et répétant des mots sans suite. Tu veux dire que... Oui. Si tu veux mon avis, ce maudit Gaulois, cet ennemi, possède une arme secrète. Oh mon Dieu! Mais enfin, d'après toi, qu'est-ce que ça peut être, cette arme secrète? Ça, si je le savais. Malheureusement, mes services secrets n'ont pu obtenir aucun renseignement. Et c'est pour ça que tu te fais du souci. Ben voilà, la Cléo. Oh, ben je te comprends, mon Juju. Dis, mon Juju. Oui, ma Cléo. Et si je te faisais couler un grand bain bien chaud pour te faire oublier tes soucis? Tu le ferais? Oh oui. Merci, ma Cléo. Tu as raison. Il faut laver, César. Pas de pitié pour les croissants.
Qu'est-ce que c'est bien ! Aïe ! Ouille ! Aïe ! Aïe ! Ouille ! Fais attention, ma fille, ça fait mal ! Mais père, arrêtez de bouger ! Il faut que je mette de la poussière sur toutes vos égratignures si vous ne voulez pas que ça s'infecte. Aïe ! Ouille ! Aïe ! Voilà, ça c'est fait fini. Mal. Attention, d'accord, allez. Ça va mieux ? Ça va mieux. Je sens que ce soir, je vais être en forme pour lancer ma contre-attaque contre les Romains. Mais vous voulez dire que c'est ce soir que... Chut, on peut nous écouter, ma fille, chut. C'est ultra secret. Et oui, c'est ce soir que nos vaillants guerriers vont contre-attaquer le campement de Jules César. Oh, père, mais vous êtes sûr que... Certains, ma fille, certains. Ce soir, la Gaule sera libre ou tout sera enflé. Oh, père, cela fait tellement longtemps que notre peuple attend ce jour. Lequel ? Celui de mon trépas ? Mais non, père ! Ah bon ? Celui de la libération de la Gaule ! Ah bon ? Aïe ! Ah ! Eh bien, ce jour est arrivé, ma fille ! Aïe ! Ce jour est arrivé ! Aïe ! Excusez-moi, grand chef, je vais aller préparer le déjeuner, car vous aurez besoin de beaucoup de force. Grand chef Jacques Gitorix. Oui, va, ma petite Kilikinix, va, va. Oh, quel brave enfant. Mmh. Eh bien, on a eu raison de la recueillir et de l'accueillir parmi nous, hein. Oh oui, père, je me demande vraiment ce que nous ferions sans elle. Ben oui, moi aussi je me le demande. Je me souviens encore quand elle errait comme ça, toute seule, perdue dans la forêt, c'était... Ses pauvres parents ont été massacrés par les odieux romains. Oh père, vous avez été tellement bon de la recueillir ainsi dans notre maison. Je sais, ma fille, je sais. D'autant plus qu'elle fait admirablement bien la cuisine. Hein? Ah oui, c'est ça, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a encore, bande Lachmix ? Je venais voir si vous n'avez pas envie d'une grande petite chanson pour vous aider à vous remettre, grand chef, avec les Torix. Non, par pitié, non, non. Père, soyez gentil. Que voulez-vous que fasse ce pauvre barde Lachmix si personne ne veut jamais le laisser chanter ? Alors. Merci, mademoiselle Dorothée. Vous, au moins, vous êtes sympa. Vas-y, allez, allez. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites fleurir tous mes rêves de bonheur. Et pas de pitié pour les croissants. Le club Dorothée vaincra. Oh, merci, ma Cléopâtre. Oh, tu peux pas savoir comme ça m'a fait du bien. Je me sens tout ragaillardi. Oh. Grand César. Oh, Brutus, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois bien que tu me déranges. Tu tutoies tes gardes, maintenant? Mais Cléopâtre, c'est pas un de mes gardes, c'est mon fils, c'est Brutus. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Brutus? Je t'écoute. Excuse-moi, papa, mais une jeune Gauloise demande à te parler. Elle dit que c'est très urgent. Oh. Une Gauloise? Quelle horreur! Bah, mais dis donc, pourquoi dis-tu ça? Bah, tu sais très bien qu'à force de faire la cuisine au feu de bois, les Gauloises sentent toute la fumée et que j'ai horreur de ça. Elle a raison! Qu'on la jette au lion! Excuse-moi d'insister, grand César, mais elle parle d'une attaque imminente des Gaulois dont elle pourrait te parler. Ah, ah non, alors là, une attaque imminente des Gaulois, c'est important. Va la chercher, Brutus. Une attaque imminente. Va la chercher, bien, Brutus! Là. Entre, Gauloise! C'est incroyable ça. Une attaque imminente. Grand César, quel honneur pour moi de vous rencontrer enfin. Qui es-tu, jeune Gauloise? Je ne suis pas une jeune Gauloise, je suis romaine. Romaine? L'es-tu? Quelle salade! Parle, je t'écoute. Eh bien voilà. Kilikinix, alors ça vient, mais que fait-elle? Mais soyez patient, père. Elle doit nous préparer un petit plat dont elle a le secret. Oui, c'est vrai que c'est une brave fille qui cuisine divinement bien. Enfin, c'est très bien que j'aime déjeuner à l'heure. Surtout à la veille d'un jour aussi décisif que celui-là. Kilikinix! Si vous voulez, grand chef Jacques Victorix, je peux vous chanter une petite chanson pour vous faire patienter. Non, pitié, pitié. Oh, père, soyez gentil. Oh. Merci, mademoiselle Dorothée. Vous, au moins, vous êtes sympa. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois, c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux. Quand on travaille, que le ciel est beau. Il fait beau sur les routes. La chacorée, pas de pitié pour les croissants. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore fini. Bon, alors, si j'ai bien compris, tu es une espionne romaine infiltrée chez les Gaulois. Oui, grand César, mon vrai nom est Matarus. Enfin, c'est tout de même incroyable. Comment se fait-il que les Gaulois ne se soient pas aperçus que tu es une espionne, puisqu'ils sont si rusés qu'on le dit? Mais voyons, Cléopâtre, Matarus nous l'a dit. Sa maman était gauloise et son papa romain. Voilà pourquoi ils ne se sont rendus compte de rien. Mais qui te dit qu'elle ne joue pas un double jeu? J'ai toujours été plus proche de mon père.
que de ma mère. Oui. Et son papa a été massacré à Girgovie par les troupes de Jacky Jetorix. Depuis ce jour, elle n'a plus qu'une seule idée en tête, venger son pauvre papa. Voilà pourquoi elle s'est infiltrée dans ce camp gaulois en se faisant passer pour une pauvre enfant perdue. Elle attendait son heure. Et son heure est arrivée. Grâce à toi, nous savons qu'aujourd'hui, les troupes gauloises vont attaquer. Et grâce à toi, l'armée de César vaincra. Ce renseignement n'a pas de prix. Si, grand César. Si quoi? Eh bien, ce renseignement vaut 100 000 dollars. 100 000 dollars? Mais c'est hors de prix! Me voyons, Cléopâtre. Dans quelques jours, la rébellion sera matée et nous, nous serons de retour à Rome. Ça vaut bien 100 000 dollars, non? Puisque tu le prends comme ça, ouais. Mais au fait, pourquoi des dollars? Eh bien, j'ai l'intention d'installer à New York et d'y ouvrir un restaurant italien. Bah pourquoi pas? Eh bien, c'est entendu. Va voir mon grand argentier. Il te donnera la somme. Viens vite. Encore un petit peu d'omelette, père. Non, ça va. Pourquoi elle est pas bonne, mon omelette? Si, elle est très bonne, très bonne. Enfin, sans vouloir te vexer, je préfère la cuisine de Kilikidix. Père, je commence vraiment à être inquiète. Où a-t-elle pu passer? J'espère qu'il n'y a rien arrivé, père. Tu as raison, Dorothy. Pour t'avouer la vérité, moi aussi, je commence à être inquiet. Parce qu'on ne retrouvera jamais une cuisinière pareille. Hein. Père, pourvu qu'elle ne soit pas fait enlever par ces horribles Romains. Oh, si c'est que cela, ma fille, ce n'est pas grave. Dans quelques heures, nous allons lancer une grande offensive et nous la délivrerons. Grand chef Jacky Jetorix, je viens de composer une petite chanson pour entraîner les troupes au combat. Alors, pitié, pitié. Oh, père, soyez gentil. Merci, mademoiselle Dorothyx. Vous, au moins, vous êtes ça. Il y a toujours un coin qui me rappelle. Toujours un coin qui me rappelle. Je suis né pour te. Pas de pitié pour les croissants. Le club Dorothée, il n'y a rien de mieux. Ah, cette fois, c'en est fait de ce diable de Jacky Jetorix. Son attaque surprise ne sera plus une attaque surprise. Dès qu'il montrera son vilain museau, mes troupes d'élite fonceront sur lui et mettront en pièces son armée ridicule. Oh, grand César, quelle fin de stratège tu fais, mon juju. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Brutus. Oui, papa. Est-ce que tout est prêt? Absolument tout, papa. Les archers d'élite sont postés derrière chaque arbre, les lanceurs de javelots sont aux aguets et les catapultes sont chargées au maximum. Parfait! Parfait, mon petit Brutus, la victoire nous appartient. Va prévenir mes généraux que nous allons donner l'assaut! Très bien, papa. Dis-donc, César, tu ne crains pas que les Gaulois n'emploient leur terrible arme secrète? Oh, ne crains rien, ma Cléopâtre, ne crains rien cette fois-ci. Quelle que soit cette arme secrète, ils viendront s'écraser contre les forces de l'Empire. Les amis, dans un instant, nous allons partir à l'assaut de l'armée romaine et bouter l'adversaire hors de Gaulle. Père, soyez prudent. Vous savez très bien que vous tenez difficilement en équilibre sans ce bouclier. Ne t'inquiète pas, ma fille. Cette fois-ci, j'ai tout prévu. J'ai mis de la super glue à la semelle de mes chaussures. Je ne risque rien. Bien. Très, très bien. Attention. Mais attention, non. Excusez-moi, grand chef. Jacky Jetorix, j'ai glissé. Ça va, père? Attendez. Je vais lui chanter une petite chanson pour l'aider à se remettre. Non. Non. Oh non, les amis, soyez gentils. Merci, mademoiselle Dorothyx. Vous, au moins, vous êtes sympa. Souvenir, souvenir, je vous retrouverai mon cœur et vous peintre fleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Pas de pitié pour les croissants. C'est pas déjà fini ?
Carcassonne, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait une heure qu'ils auraient dû attaquer. Mais je sais pas, moi, ils ont peut-être eu un empêchement. Brutus, t'as des nouvelles? Pour l'instant, rien, papa. Tout semble calme. Bon, et ben, s'ils se décident pas à attaquer, moi, je vais attaquer. Brutus, donne l'ordre aux troupes de se mettre en marche. Bien, papa. Les heures de nos vacances, jour contre jour, souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Ça va mieux, père? Ah oui, beaucoup mieux depuis que cet imbécile de Barbe de la Chemie s'est arrêté de chanter, hein. Oh! Pourquoi dites-vous ça, père? C'est pas gentil pour ce pauvre Barbe de la Chemie. Merci, mademoiselle de Rotix. Vous, au moins, vous êtes bonne avec moi. Joyeux piou-piou de l'Empire! C'est pour Rome que vous allez verser votre sang! À la table! Mon chouchou, mon chouchou! On y va, mon chouchou! On y va! Darnel, nous en pensez, allez, tout le monde à son poste, allez vite. Et qu'est-ce qu'on fait, chef? Ne craignez rien, mes amis. Je vais vous chanter une petite chanson pour vous donner du courage. Non. Mon père. Bon, d'accord. Oh. Merci, mademoiselle Dorotix. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Allez, à l'attaque. Et c'est là que je finirai ma vie. Il ne reste que cela à faire! Marche! Prête! Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais rappeler Marc-Antoine. Il m'avait invité à dîner ce soir. Eh bien, je crois que je vais accepter. Papa, tu n'es qu'un froussard. Toi aussi, mon fils! Ah! Pardon! Tu as raison, c'est ça! C'est trop affreux! Fuyons! Barre de Lachmix, tu es un héros. Ouah. Merci, grand chef Jacques Dutorix. Ouais. 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 Vive Lachmix. Vive Lachmix. L'homme est tendre, l'homme est sweet, never let me go. L'homme est tendre, l'homme est sweet, love me all high, love is made away, love me all high, love is me, never love me, goodbye. Pas de pitié pour les croissants, j'ai dit. Bye.
C'est génial. Non seulement il résiste, mais en plus il pulvérise mes armées. Je sais plus quoi faire avec lui, hein, ça. Je sais plus quoi faire non plus avec mon texte. C'est bien dommage. Comment se fait-il que les Gaulois ne se sont pas tapés? On est mal barré là. Là, je sens qu'on est mal barré. Easy. Victoire! Ouais! Nous avons mis Romain en route! Oh ben, enfin, tu crois que j'ai entendu quelque chose, alors là? Tu es là et tu le fais pour la caméra. Tu nous... Souvenir! Non, 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 on fait tout! Oh ben, on lui laisse bien, on lui laisse le plateau parce que c'est pas possible. Tu viens de par là et tu restes pareil. Hein. Tu arrives comme ça et toc toc. Je venais voir. Je venais voir. Qu'y a-t-il encore? Qu'y a-t-il, Barde? Tu viens tout de suite. Hein. Il dit top, tu rentres. Mais qu'y a-t-il, Barde la Schmix? Qu'y a-t-il, Barde la Schmix? Je venais voir si vous n'avez pas envie d'une petite chanson pour vous aider à vous remettre, mon cher Jackie Jutorix. Ah non. Par pitié, non.